Bonjour à toutes et à tous, c'est les Petits, on se retrouve pour la suite du Let's Play de GTA V Next Gen en vue FPS. Alors aujourd'hui, on continue tranquillement nos petites missions. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. Bon, on va attendre, on va faire un petit peu le tour, parce qu'apparemment on n'a pas de mission pour l'instant. Eh, vous là! Aïe! Eh, vous là, avec la moto, revenez! Revenez! Je veux cette moto! Non! Encu... Oh, oh, c'est quoi ça? J'entends un bruit de moto. Elle est où? Elle est où? Moto! Minou, minou, minou! Bah, y a plus de moto. Dans le cululu. Oh, flûte. Bon, on va piquer. Oh, bah, si, y en a une là-bas. Ah ah! Je savais bien qu'il y en avait une. Pourquoi je vois un petit M? Ah, faudrait que j'aille avec Michael alors? Attendez. J'ai vu un petit M. Un tout petit M. Martin Madrazo. Voilà, ça y est, oui, faut bien que j'aille avec... Bon, ça y est, on a trouvé, on est débloqué. On n'est plus bloqué, c'est fini. Ça y est. Allez, fini la panique. On peut enfin continuer. Alors. Allez, on va voir... Michael, donc. Salut Michael, ça va? Ah bah ça c'est dommage que tu sois pas en forme. Ah, notre jolie voiture. Enfin, elle est mieux l'autre, mais ça va, elle a du style celle-là. Allez. Voilà. Alors. Inventaire. Ah oui, c'est vrai, c'est pas comme en ligne, y'a pas de d'encas. Alors. Nanana, Martine. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. En route. Allez. On va essayer de bien piloter aujourd'hui. Je dis bien, on va essayer. mince, je passe par où? Voilà, hop, hop, hop. Oh. Et non! Non mais... C'est possible celui-là. Oh, je dis que je vais essayer de bien conduire et je fais du caca. Oh, bah non. Revenez ici. Mince, j'ai pas écrasé la bonne personne, c'est pas grave, au revoir. Ah, allez, repart. Allez, allez. Oh le. Bon. Allez, allez, allez. Hop. Oh. Les motos. Tiens. Voilà, j'aime pas les motos. Non mais. Oh. Pardon. Allez. Ouais, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. La la la. Attention. Aïe. Et pourtant je l'avais esquivé. Ah, ah, 4-4. Olé, bien joué. Ah, on a réussi à maîtriser le véhicule. Non. Et prend bien la courbe et va dépasser son adversaire et se fait quel dépassement magnifique. Philosophie. Oh, oh, des vélos. Ah. Strike. Allez, trêve de plaisanterie. Ah, tout va bien. Net, 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 tu là, coucou. Voilà. Ouh, on s'est bien amusé. Allez. Youhou, y'a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ah. This. It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. So what did you tell him about me, about... Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin
He's a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. Or does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, eh? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Oh non, c'est une mission que j'aime pas. Elle est chiante. Elle est vraiment chiante. Horrible. Où est ma voiture? Allez. Elle est horrible. Oh, j'ai toujours du mal à la faire cette mission. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. On doit la faire. Allez. Oh. Allez, on est parti, donc on va rejoindre le véhicule où il y a l'arme assez spéciale. Hop, pardon. Nut. Ouais, ça fait pas très sérieux, mais c'est pas grave. Oh putain. Ça va, ça gère, c'est bon, tout va bien. Hop là. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear $2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Ça y est, ils ont fini la papote. On est presque arrivé, vous inquiétez pas. On est bientôt arrivé. Alors, on va chercher une place à garer. Oh bah, c'est parfait. Oh, elle s'offrait à moi. Elle s'offrait à moi, cette place. C'est pas possible, chance qu'on a. Allez. Bonjour, je fais rien de suspect. Je me dirige vers une camionnette noire placée au bord du précipice. Tout va bien. Oui, bah facile à dire ça. Voilà. C'est une sorte de sniper très spécial. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Avec un détecteur de vent, avec le vent et tout ça. Oh là là. Votre cible en rouge. Tirez sur le moteur. Oui, bah déjà faut que je repère l'avion. Il est où? I got her. Ah, je le vois. Southwest of the city. Gotta shoot in front of the. Oh, du premier coup. Oh, j'ai pas fait exprès, je vous jure. J'ai pas fait exprès. Concentre. Oh non, attendez, je vais pas quand même pas faire un sans faute là. Ouais, c'est plus dur. Ah, c'est plus dur. Merde.
Raté. Merde. Allez. Raté. Allez. Non, je vais pas l'avoir. Si, je l'ai eu. Oh, bien joué. Oh, franchement, j'ai pas fait exprès. Bon, allez, maintenant, ça va être la partie la plus rigolote. C'est parti pour la partie la plus rigolote. Youhou. Ça va être génial cette partie, amusez-vous bien, c'est parti. En slow motion, hop là. Olé. Olé. Aïe. Je savais bien qu'on allait bien scrouter un de ces jours. Merde, oh, la moto. L'avion est parti par là. Allez, c'est pas grave, on a perdu un peu de temps. C'est rien de grave, on va le rattraper. Voilà. Alors, il est parti à gauche. Faut que je trouve un truc à gauche. Voilà qui est fait. Olé! Voilà, on est tranquille pour l'instant. Allez, allez. On va bientôt se scratcher. Oh putain, le train. Yeah. Olé. Ah, c'est génial. C'est la deuxième partie de la mission qui est cool en fait. Attention. Allez, il va s'écraser. Et voilà. Alors. Ouais. Voilà. Il y a deux gars à buter, voilà. On n'a plus qu'à rentrer dans l'avion. Salut, salut. Bonjour, bonjour, je fais que passer. Allez hop. Voilà, ça c'est pour moi. Allez, salut, bonne journée. C'est propre. Ah, oh putain, je me suis gavé du premier coup. Hein. D'habitude, je mets au moins deux ou trois fois pour la première partie, mais la deuxième partie est plus rigolote. Alors, quitter la zone.
Je dois... Ah, je dois... Ah, je dois quitter la zone avec le truc. D'accord, ok. Mais ma voiture, elle est pas loin. Enfin, je crois. Ah non, elle est plus là. Ok. Bon, bah, on se casse alors. Hein. Oh tiens, je suis jamais parti de l'autre côté. Allez. On y va. Oh, quel bruit de camionnette, dis donc. Oh là là. Par là. Ça va. Détruisez le fourgon. T'inquiète. Voilà. Au milieu des lapins et des animaux. Voilà. Alors. Comment je vais faire ça? Voilà. Hop. Voilà. La 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 la. On va un peu brûler la forêt, la 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 la. Voilà. Alors, on va pas user les munitions pour rien. Oh tiens. Et c'est parti. Feu de forêt. Voilà comment faire un feu de forêt en une leçon. Bah attends, hein, faut que ça arrive. Attention, spectacle. Waouh, que c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, vas-y, explose. Boum. Ah, quand même. Bon, allez, moi, faut... Oh, il y a un petit lapin. Regardez, il y a des petits lapins qui se couchent. Bien sûr, m'en parlez en France. Ils se couchent, les lapins. Ils se couchent, les lapins. Bien sûr. Alors, personne. Ah, bonjour. Couchez, j'ai dit. Pas de témoin. Non mais. Oh, des sous. Merci. Ouais. There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor, I wouldn't do. Ouais, je suis du même avis que toi, Michael. Quand Trevor dit rien de mal, c'est pas bon. Allez, on y va. On va prendre un petit raccourci, hein, vous êtes tous d'accord. D'accord. Bon, finalement, raccourci, j'ai dit. Oui. Olé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouh. Tout va bien. On continue. Nouveau raccourci. C'est bon, tout va bien. On va passer par là. Ah. Tout va bien. On continue. C'est en train de partir en couille. D'une force. Je pars dans quel sens là? Non, ça c'est pas le bon sens. Voilà. Waouh, oh là là. Ouf, tout va bien. C'est bon, ça roule. Hop là. On peut y aller. Oh bah ouais, faut bien s'amuser deux secondes un petit peu. Ah putain. Allez, allez. Assez perdu de temps. Euh.
Et voilà. Where is he? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. I know a nice little place we can hang out, you know? It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. MDR, atterrissage forcé. Et hop, on va être parachuté avec Franklin. Et puisque bah maintenant ils vont devoir se faire tout petit pendant quelques temps, donc je crois qu'on va avoir quelques petites missions avec notre ami Franklin. Qui joue avec. Qui joue avec machin, comment il s'appelle déjà? Shop. Bah oui, de mignon Shop. Alors, promène Shop. Il peut jouer avec lui grâce à la balle que vous avez. Allez, juste pour vous montrer comment on fait. Hey Shop, regarde, regarde la baballe. T'as vu la baballe? Hein, hein, hein? Non, on n'est pas con quand même. Va chercher la baballe. Allez, va chercher. Vas-y. Va chercher la baballe. Bien. Oui, il est gentil. Bien. Et d'aller chercher la baballe. Allez, viens. Allez, range la baballe. Donne. Bien, il est gentil. Bon chien. Allez, on range la baballe. On y va. Ah, c'est dommage. T'avais une si jolie moto. Allez, viens, Chop. Viens. On va se trouver une caisse. Alors, il nous faut une bagnole. Deux secondes, un shop, hein, je me trouve une caisse. Bonjour. Raté. Bonjour. Raté aussi. Ah, on n'a pas de chance, hein. Bah, je sais, hein, shop, hein, on n'a pas de bol, hein, pour l'instant. Pour se trouver une bagnole. C'est... Bonjour. Oh. Chop. Monte, vite, il y a la popo. Eh hey, viens, viens vite, viens. Eh hey, Chop, monte. On a la popo aux fesses. Ça va bien. Allez, en route. Oh, mauvais sens. Allez, on se casse. Il faut se barrer vite. Oh, bon raccourci. Oh, on tombe directement chez nous. Oh, c'est bien ça. Voilà. Ouais, on sait que c'est la nouvelle planque à Franklin. Voilà. Et en plus, Shop, il a été téléporté directement dans sa niche. Pourquoi je change ma caisse, moi? Rentre dedans. Alors, maintenant, on a deux personnes qui se sont affichées. Il y a Michael et Devin. On va commencer par Devin. Allez. Allez, hop. On a une bonne bagnole, en plus. On y va. Ouais, fait un beau bruit, en plus. Olé. Attention. Olé, c'est pas grave.
Allez. D'accord. C'est pas grave, vous inquiétez pas, c'était un moment d'égarement. Hop là. Là. Hop. Ah. Tout va bien. On peut continuer. Eh, franchement, c'est pas facile de conduire en vue FPS. Pourquoi elle a du mal à tourner? Il doit y avoir un truc de cassé, c'est pas possible. Bizarre. Bon, c'est pas grave, on va prendre une moto. Eh, dégage de là, toi. Ça ira mieux. Allez. Oh oui, pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, elle a de la patate en plus. Ah, bah c'est juste ici. Hop. Allez, on traverse. Et voilà. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ok, allez, on y va. Un petit peu d'infiltration. Alors. Ah, dis frère. Tiens. Voilà. Allez, viens ici. Allez. Viens ici, sac à merde. Hop, on ferme la porte. Voilà. Hop. Ah, on est mieux là comme ça. Ah ouais, c'est plus. C'est un peu plus habillé, c'est mieux. Allez. Maintenant, on va faire comme si de rien n'était. Mesdames, messieurs, faites place à Will Smith, version 2. Ah ah, et ouais, qu'est-ce que tu crois? Franklin Smith. J'ai rigolé. What is the point of building all these sets? We gotta put Brandon's head on the guy's body and pose for the car, dumbass. I've gotta get. Salut! Mince. Pourquoi je peux pas? Je peux pas conduire en VFPS. Bon. Ouais, je peux pas. Bon. Oh ouais, lâche le volant, connasse. Oh fuck, we're gonna lose these guys. Is this an abduction? Nah, you cool? No, I'm not cool. Not at all. I mean, chill out. I'm just interested in the whip. What's this? Spikes? Hop là. Yeah, fools. What do you mean, the whip? I could Dégage. Buy a car with what I make in a morning. I think you underestimating the value of this automobile. Or overestimating your own talent. Voilà. Shit, sorry about that. Ça c'est fait. I think you're underestimating what I get paid. You get paid. Hey! A couple million for a morning's work? Shit, I should sack my agent. Yeah, shit. Damn, what's this button do? Oh, on va voir à quoi sert le bouton rouge. Salut! Elle est où? Ah, génial. Ah, je préfère. Yeah, okay. Cause I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever.
What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. The traffic spike and ejector seat need replacing too. Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Eh bah dis donc, c'était bien rigolo comme mission quand même. MDR, la fille... Ah bah elle était là. Comme elle a volé. On va s'amuser avec les pics. Ouais, c'est rigolo. Maintenant... Hop. Bah c'est une bagnole rare du jeu, hein. Je sais pas si après on peut l'acheter. Aïe. Bon, si j'arrêtais de faire du caca, moi, voilà. Je sais pas, on me tire dessus depuis tout à l'heure. J'entendais des ping ping. Voilà, allez, on se concentre, ça va aller beaucoup mieux. Une moto. Putain. Eh, franchement, en vue FPS, c'est chaud pour conduire. Hein. Oh là là, dis donc. C'est de l'autre côté. Mais putain! Bien sûr, la référence de la voiture, hein, c'est une référence à James Bond. Companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know, movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Ah bah merde, man. Merde, maintenant il y a la marde en coup. Il manquait plus que lui, tiens. Il manquait plus que lui. Bon, et ben voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit... commentaires, monsieur sur Twitter et Facebook, très important pour me suivre quotidiennement, et j'espère que cet épisode, une nouvelle fois, vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, bon jeudi à tous, salut!